moment, t'es fatigué. Hein. Hein. Tu es chez le docteur, ça passe. Moi aussi, je vais aller moi aussi. Hein. Il veut se lever, lui. D'accord. C'est hein. Se lever. Maintenant, il faut se coucher. Hein. C'est tôt encore. Hein. Hein. Il veut se lever voir papa. Tu veux voir les lumières du camion? Ouais, mais tu fais le camion. Hein. D'accord? Bon, allez. Tchoum! Ah ouais, tu es en retard. Il y a beau avoir des travaux là-bas, et ben Théo il dort toujours, il n'arrive pas à se réveiller. Du coup, va falloir que je le secoue parce que là, faut qu'on aille chez le médecin et j'ai pas envie d'être à la bourre. Ce trafic-là, on l'a depuis ce matin. Depuis ce matin, 8h30. Fais un gros dodo, hein. J'ai cru que t'allais jamais te réveiller, chouchou. Donc bébé, il est encore en pyjama parce que j'aime bien qu'il ait le ventre libre, c'est-à-dire pas serré quand il dort. C'est plus confortable pour lui. Donc là, on va changer. Maman, je crois que j'ai jamais habillé un bébé aussi vite que ça. Je l'ai retourné, retourné comme une crêpe. Il est même pas grognon, j'ai de la chance. T'es plutôt un petit bébé facile, toi, hein? Hey, tu regardes ton pote? Oui, j'ai installé la vitre ici, comme ça bébé il peut se regarder, c'est une façon de jouer aussi. Voilà, voilà, donc allez, on va vite se mettre en route. Ça va mieux, petit chouchou? Alors, allez, remplis ce petit bidon là. Donc, petit Théo, bah, tout va bien. Il a un peu d'eczéma autour de la bouche parce que c'est dû à la bave. Voilà, il bave beaucoup en ce moment à cause des petites dents qui sont en préparation. Et donc, sinon, le seul bémol, c'est qu'il est un peu plus petit que la norme des 5 mois. Mais franchement, moi, je ne m'inquiète pas. Parce que de toute façon, je pense qu'il rattrapera ailleurs. T'es grognon, toi. Hein? Autrement, eh ben, on continue la diversification alimentaire. Et cette fois-ci, bébé peut manger de la viande. Donc, quand je dis manger de la viande, c'est vraiment une petite cuillère... l'équivalent d'une petite cuillère à café de viande blanche. On va commencer tout doucement par du poisson, par un peu de poulet. Et puis voilà, ce sera l'occasion de sortir le petit robot pour faire ses repas. Voilà, voilà. Autrement, en allant chez le médecin, j'ai eu pour idée de vous faire une petite vidéo « What's in my car ?» parce que jusqu'ici, je ne l'avais jamais faite. Et donc, j'ai envie de vous montrer mes indispensables quand je voyage avec les petits loulous. Donc, ce sera l'occasion de faire le tour de la voiture. Et puis moi, de vérifier si j'ai tout ce qu'il faut, enfin tout le nécessaire minimum, entre guillemets,
à savoir la trousse de secours, de quoi grignoter, parce que voilà, des fois, quand on voyage ou quand on reprend la route pour chercher ou ramener les enfants, on a une route un peu longue et des fois, on a des petits creux. Donc, voilà, je vous montrerai ça dans la vidéo de la voiture. Bah, pendant que bébé se repose, moi j'en profite un peu. Ouah, c'est beau la vie de chat. Regardez, pendant qu'on était chez le médecin, on a eu un coup de vent magique qui nous a balayé toutes les feuilles. Et en fait, qui nous les a scotchées ici. Donc du coup, pour ce soir, ça va être ramassage de feuilles. Et en fait, c'est mon beau-père qui est passé avec son souffleur. Donc, comme on va dire qu'il y a des tensions dans la famille, il vient pas trop par ici, du moins pas quand la mère de Thibaut est là, parce que voilà, c'est elle qui fait des jalousies un peu partout. Depuis la naissance de bébé, c'est devenu pas possible. Mais bon, voilà. Donc de temps en temps, il passe, il nous rend des petits services, et puis ça nous va bien, c'est gentil. Autrement, les vacanciers viennent de partir de Martigues et donc ils ont entamé la route et il y a Gabriel qui m'a envoyé un message. J'en peux plus d'Angélique, elle pleure tout le temps. Donc je ne sais pas pourquoi elle pleure, mais voilà, quoi, bon courage les enfants. À part ça, je trouve que c'est cool Raoul, quoi, sachant qu'il y a Alexandre qui les attend. Ils sont partis, il était quoi, 16h? Ils sont partis à 16h de Martigues. Donc Martigues, Haute-Savoie, Megève, j'ai pas calculé de temps, combien de temps ça fait pour revenir. Mais le père, no soucis, quoi. Enfin, pas pressé de retrouver son fils aîné, ça me choque, c'est un truc qui me choque. On va dire encore que je râle pour rien, je sais, je suis une grosse râleuse, mais moi il y a des trucs qui passent pas, quoi. Et en plus, Gabriel il m'a envoyé un mot, le père il veut juste ramener à Alexandre une bouteille de sable, même pas je te ramène un souvenir. Donc je pense que demain, parce que je vais chercher les enfants demain soir, à moins que ce soit Thibaut qui y aille, bref. Demain soir, il y a Alexandre qui nous dira s'il a reçu une bouteille de sable, un souvenir ou peut-être les deux, mais voilà. Et puis autrement, Gabriel n'a pas d'argent de poche. Il m'a dit le jour de son départ qu'il aurait bien pris de l'argent de poche pour acheter un souvenir à son frère. Mais voilà, il n'a pas d'argent de poche, donc après c'est suspense jusqu'à demain. Et justement, c'est ce comportement égoïste que je reproche à mon ex. Et c'est ce comportement-là qui fait que j'ai ressaisi le JAF pour avoir la garde des enfants. Parce que je pense qu'avec moi, il verrait les choses... Enfin, il serait... Comment dire? Je serais moins égoïste avec eux. Voilà. Ils auraient une vie d'enfant normale. Parce que je trouve qu'avec leur père, ils n'ont pas une vie d'enfant normale. Ils sont brimés sur l'argent de poche, les sorties. Ils voient tout le temps leur grand-mère quasiment H24. C'est pas une vie, ça. Enfin, pour moi, c'est pas une vie d'enfant, quoi. C'est pas une vie d'enfant normale. Il y a des fois, j'essaye de relativiser sur des choses, mais là, quand même, c'est... Ça me paraît... Je laisse passer la moto. J'essaye de relativiser sur des choses, mais voilà, il y a des trucs qui m'énervent et que voilà, faut que je pousse mon coup de gueule, faut que ça sorte. Bon, ça répare rien du tout, mais faut que ça sorte en fait. Voilà, dans la voiture. Donc j'ai là un petit rangement pour mettre mes lunettes de soleil, c'est super pratique, j'en suis bien contente. C'est un rangement que je n'avais pas dans la Kia, donc bien. En bas, donc j'ai toujours un chiffon le matin quand il y a des gelées ou quand il a plu et tout. Voilà, je sors à l'extérieur. Bah oui, si je sors, c'est à l'extérieur forcément. Je donne un coup sur les vitres, sur les rétros. Voilà, j'ai pas envie d'attendre que le désembuage se fasse. Je suis du genre assez pressé quand je dois partir. Donc voilà, le petit chiffon, il reste toujours ici.
Ça, c'est les lunettes de monsieur, donc il en a un peu partout. Il en a une paire ici et il en a une paire là-dedans. Donc là, j'ai le rangement, ben, comme tout le monde. Et il me semble qu'il y avait une paire ici. Voilà, donc en fait, il me sème un peu tout. Donc il reste ses lunettes et il reste son disque de stationnement. Donc ça, je vais lui rendre. Ensuite, j'ai toujours sous la main un petit carnet, c'est utile pour noter des choses. Voilà, parce que souvent, ben, ça m'arrive quand Thibaut ou voilà, ou quand je suis toute seule, je cherche un bout de papier, et ben là, j'en ai sous la main. Donc là, celui-là, il est bientôt fini. Je vais le changer bientôt. Ensuite, ben, j'ai des CD, voilà. Ça, c'est de mon époque. Je sais pas si les jeunes y connaissent. Bref, Evanescence. J'ai un autre CD, je sais plus ce que c'est. Voilà, bref. Ensuite, carte de pêche 2017. Ah, bah ça aussi, je vais le rendre à Thibaut. Je n'avais même pas vu qu'elle était là. Ensuite, dans le compartiment du haut, alors j'ai toujours ma petite brosse, voilà, une brosse à cheveux. M'arrive des fois de partir tellement à la hâte que je ne brosse pas plus que ça, ou alors si j'ai envie de me recoiffer, voilà, elle reste ici. Ensuite, j'ai un petit porte-clés couteau suisse qu'Alexandre m'avait offert, et celui-là il me quitte pas, donc c'est toujours utile, hein. Il y a des pinces à épiler, il y a des petits ciseaux, il y a des petits couteaux. Ça, c'est une lampe de poche qui marche bien, donc voilà, ça aussi, elle reste ici. J'ai des chewing-gums, voilà, en cas de petit creux. J'ai les bonbons, voilà, ceux-là, je les aime bien. Donc tout ça, ça reste ici. Alors, dans ma boîte à gants, alors, il y a des lingettes. Voilà, donc c'est toujours utile bah, quand on a les mains cracra ou voilà, quand il faut nettoyer quelque chose. J'aime bien avoir un petit paquet de lingettes. Il y a le disque de stationnement, il y a tous les papiers qui concernent la voiture, notamment un constat. Il y a le guide d'utilisation de la voiture, il y a des Kleenex, donc je vérifie régulièrement que tout ça est là. C'est toujours réapprovisionné. J'ai une tétine pour Théo, mais bon, comme il prend pas tellement les tétines, voire il y prend pas du tout, voilà. Peut-être que je la rentrerai, mais pour l'instant elle reste là. J'ai le chargeur, j'ai des écouteurs, donc voilà, parce que sans chargeur, les chargeurs c'est la vie. Donc voilà. Et sur le côté, donc je vais vous montrer ça, j'ai la trousse, une trousse de secours. Donc on va visiter la trousse de secours. Je vous ferme. Je ne ferme pas la boîte à gants. Donc voilà, la trousse de secours, c'est un indispensable. Donc là, je n'ai pas vérifié dernièrement si elle était complète. Je sais qu'il me manque une couverture de sécurité parce que elle a été utilisée et je sais pas si je l'ai laissée dans la CIA, et vu que j'ai vendu la voiture, ça fait un moment. Alors il me semble qu'elle est restée là-bas, ou alors elle est dans une autre trousse de secours que j'avais lavée, donc je sais pas. Bref, pour l'instant, je vous fais visiter ce qu'il y a là. Donc ici, c'est le côté tout ce qui est pansement. Donc il y a des ciseaux, il y a une bande voilà, une bande autogrippante, les petits pansements. Ici, c'est un kit. Alors il y a des compresses aussi. Donc voilà, ici. Donc là, j'en ai quatre. Ici, c'est un petit kit que j'avais gagné, je ne sais plus où. Je crois que c'était à une soirée AD. Donc, des fois, ils donnent des trucs. Donc là, il y a un désinfectant de mercurochrome. Et en dessous, c'est deux lingettes désinfectantes aussi. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie pansement et désinfectant. Ah non, je sais. C'était pas une soirée AD, c'était au Crédit Agricole. Voilà, voilà. Bah d'ailleurs, il y a le logo. C'était au Crédit Agricole, donc c'était lors d'une réunion. Ils avaient mis ça dans l'entrée et je me suis servi.
Côté médicaments, donc j'ai du Doliprane 500 pour Caroline, j'ai du paracétamol pour les adultes, pour nous les grands. J'ai du Bédélix, c'est un générique de du Smecta. J'ai des dosettes de sérum Phi. Donc ça c'est utile parce que j'ai les garçons qui sont allergiques, qui font des allergies, donc quand ils ont les yeux qui gonflent, une petite dose ça calme, une petite dose dans l'œil ça calme tout de suite les démangeaisons. Et puis aussi pour nettoyer le nez de bébé. Donc voilà. Qu'est-ce qui me manquerait de ce côté-là? Il me manquerait de la coculine pour les maux de transport. Et puis, voilà, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus. Sinon, en été, j'ai toujours dans un rangement en dessous, j'ai un rangement en dessous du siège, je garde toujours la Spivenin. C'est super utile quand on a des piqûres de guêpes parce que je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, et Alexandre il s'est fait piquer par des guêpes. Et du coup, j'avais pas la Spivenin sous la main. On était chez son père et lui non plus, il n'avait pas l'aspivenin sous la main, bref. Du coup, l'aspivenin, c'est devenu un réflexe, donc l'été, que ce soit en randonnée ou que ce soit en voyage, il y a toujours l'aspivenin en dessous, donc dans le petit rangement. Alors la trousse de secours, je pourrais la mettre en même temps que l'aspivenin en dessous. Mais personnellement, je préfère l'avoir à portée de vue parce que je sais qu'elle est là. S'il y a quoi que ce soit, j'y pense tout de suite, automatiquement. Et voilà, ça me rassure en fait. Ensuite, de ce côté-là, ici, j'ai un petit bracelet en perles de bois. Voilà, et c'est un des prêtres, un des moines qui a fait la cérémonie de funérailles de mon père qui m'a donné ça. Et donc ça porte bonheur pour les voyageurs. Donc j'en ai 3. Celui-là il reste ici. Il y en a un dans le véhicule de Thibaut et il y en a un dans son camion. Voilà. Donc c'est des petits gris-gris en fait. Et je sais pas s'il est là, mais j'ai toujours eu des gris-gris dans la voiture. Et je sais pas si celui-là il est là. Du coup je retire tout mon bordel. D'ailleurs j'ai retrouvé les stylos que je vais mettre ici. Voilà. Oui, j'ai toujours des petits gris-gris dans la voiture. Donc ça c'est un chapelet. Je crois qu'il est allé dans toutes mes voitures. Il n'y a que pour la 106 qui ne m'a pas porté bonheur. Donc en 2009, j'ai eu un accident. Il y a une Polonaise qui m'a refusé une priorité. Du coup, elle m'a foncé dedans. Et j'avais une petite 106 qui a été pulvérisée sur le coup. Caroline, à l'époque, elle avait 1 an. Elle s'est mise à crier. Les pompiers ne savaient tellement pas où est-ce qu'elle avait mal. Ils se demandaient s'il fallait la coquer ou pas. Donc elle avait mis 1 heure pour se calmer. Du coup, la Polonaise, elle a fait des faux papiers. Elle a pris la fuite, bien évidemment. Et on n'a pas pu faire réparer la voiture. Donc la 106 est partie à la casse. Donc merci les chauffards. Bon, bref, j'ai rangé mon bordel. Je vous reprends plus tard. Et j'ai oublié, très important, les jetons pour les caddies. Ceux-là, ils ne quittent pas la voiture. Donc je suis sûre que je les oublie jamais. Voilà, avant je les mettais dans mon porte-monnaie, mais là cette fois ils ne quittent pas la voiture. Alors à l'arrière du véhicule, hormis le réhausseur de Caroline, le siège de bébé, une petite couverture et un petit rangement pour ma puce, il n'y a pas grand chose, voilà. Ici de temps en temps dans ce petit compartiment je leur mets des barres de céréales, c'est rare hein, parce que voilà,
Ou alors, voilà, il demande des bonbons et je les sers. Et voilà, il y a juste ce petit rangement qui sert à Caroline pour mettre ses jouets. Ou moi, quand je donne, quand je passe derrière et que je donne à manger à Théo, voilà, j'aime bien mettre le biberon ici. Et voilà, on fait notre petite vie tranquille. Et dans le coffre, eh ben, on a le porte-bébé, c'est toujours utile, il reste à disposition. Il y a la poussette de bébé, il y a toujours un parapluie, il y a des pare-soleil, il y a le protège-poussette quand il pleut. Donc quand il pleut, on recouvre bébé avec ça et les sacs de course. Voilà, et sinon en dessous, on n'a pas de roue de secours parce que j'ai crevé le pneu il n'y a pas longtemps. Sinon en dessous c'est les cris et tout, mais il n'y a pas d'emplacement pour la roue de secours. Voilà, voilà. Voilà, on espère que ce petit tour d'horizon vous a fait plaisir. Et pour l'heure, eh ben, je vais m'occuper de mon petit chouchou. Là, il va avoir faim et puis ça va être l'heure du bain. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis ben nous on va se mettre au chaud parce que ici ça caille. Hein bébé? Ça caille? Okay, mon chouchou. Hein? Fripouille. Allez, on va aller au bain. Ouais, on va aller au bain.